Eh bien, salut à tous, c'est X-Shooters, j'espère que vous allez tous super bien. On se retrouve aujourd'hui pour vous annoncer la partie 2 du DLC Le Crim Pay sur GTA V Online. Donc ça arrivera le mercredi 8 juillet, c'est dans un peu plus d'une semaine, donc on aura plein de nouvelles choses dans ce DLC qui ont l'air vraiment super cool et personnellement je suis vraiment pressé d'avoir tout ça. Alors déjà vous pouvez voir sur la première image deux personnages avec des nouveaux vêtements et une voiture, et donc la voiture je vous en reparlerai un petit peu plus tard, donc les vêtements ce sera dans le DLC. Donc alors pour commencer avec les véhicules, on aura la Coil Brawler. Donc vu l'image, ça a l'air d'être un genre de buggy ou un truc dans le genre. Je suis vraiment pressé d'avoir ce truc car ça a l'air vraiment d'être une bombe. Donc alors je poursuis avec la Progène T20 qui est une super sportive et qui a l'air vraiment géniale. Donc ils ont dit dans la description que ce sera plutôt pour les braqueurs ou alors les fans de tuning. J'ai aussi vraiment hâte de l'essayer. On aura aussi une sportive classique qui est la coquette Blackfin. Et il y aura aussi la Vapicino, donc ça m'a aussi l'air d'être une sportive classique, donc on verra bien. On aura aussi un nouveau bateau, donc ça fait depuis longtemps qu'on en a plus, ça fait depuis le pack plagiste si je ne me trompe pas. Le pack plagiste est quand même sorti au début de GTA Online, et donc voilà, là on a un nouveau bateau. Donc ce sera le Lampadati Toro, avec un petit style de coque en bois, je trouve ça fait vraiment pas mal. Donc pour terminer, au niveau des véhicules, on aura aussi une nouvelle moto de course, donc c'est la Dinka Vindicator. Voilà, vu la... elle a une belle gueule, en tout cas en rouge et noir mat, ça le fait vraiment super bien. Donc ensuite, pour continuer avec les armes, il y en aura deux. Donc un pistolet qui tire coup par coup et qui a l'air vraiment super puissant. Et on aura aussi le point américain de couleur or qui sera disponible chez Amunation. Alors je pense que ce sera vraiment mieux avec le point américain, puisque c'est bien sûr plus puissant et donc ça fera beaucoup plus mal. Donc ensuite, comme dans la partie 1, pour terminer, on aura de nouveaux vêtements, donc des vestes en cuir, des chaussures, des lunettes, des t-shirts et d'autres choses encore. Donc après, au niveau des vêtements, vous voyez, on a juste une femme avec une veste en cuir et rien d'autre. Après, bien sûr, sur les autres images, on peut voir des fois des personnages avec des vêtements. Mais voilà quoi, je me suis plus concentré sur cette image pour vous. Donc voilà, moi j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Vous voyez que c'est vraiment stylé tout ce qu'on aura dans ce DLC, ça fait vraiment plaisir d'avoir tout ça. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas à laisser un max de likes, de commentaires positifs et de partages, ça me ferait vraiment super plaisir. En plus on arrive aux 3200 abonnés, ça me fait vraiment super plaisir. Donc voilà, moi je vous laisse et je vous dis à tous, comme d'habitude, à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao tout le monde!